Eh bien bonjour à tous, c'est Castelix et on se retrouve sur Warframe. Et oui, aujourd'hui c'est pour vous présenter une petite vidéo sur la Dark Splits World. Et oui, celle qui est sortie il y a 2 jours. Et donc du coup, je voulais vous proposer des petits builds, que ce soit sur l'arme lourde ou les deux petites dagues. Vous allez voir, c'est assez simple et plutôt sympa à faire. Donc déjà, j'ai deux petites choses à vous dire. Donc déjà, la première, c'est pour le concours, pour la question numéro 9 et la question numéro 10. Arrêtez de vous torturer l'esprit, parce que là, vous êtes en train de vous torturer l'esprit, de vous compliquer les choses. Elles sont très simples. Pour la dixième, je vous dis tous les syndicats sur Warframe. Donc, oups, petit indice, mais bon, ça profitera à tout le monde. Donc, effacez votre réponse et remettez la bonne. Enfin, j'en sais rien, mais voilà, elle n'est pas très compliquée, cette question. Et pour la question numéro 9, je vais le repréciser dans cette vidéo, je parle du Stalker de l'Ombre, puisque le quiz est actuel sur Warframe. Il est de maintenant, donc là, on ne parle plus de l'ancien Stalker, on va parler du Stalker de l'Ombre. Voilà. Donc, c'était la petite aparté pour vous aider, parce que je voyais beaucoup de personnes qui se posaient des questions, à dire, bah oui... je suis perdu, voilà, bon, au moins maintenant, vous savez, et au moins ce sera clair pour vous, voilà. Donc du coup, pour la Dark Splits World, et oui, comme vous le voyez sur cette petite vidéo, on peut l'avoir au marché pour 225 platines, ou autrement, bah, vous allez dans le labo Tenno, et puis là, vous allez faire la recherche, puisque c'est une arme qu'il y aura dans le labo Tenno. Voilà, voilà, donc évidemment, il faudra un peu de temps pour qu'elle soit craftée, et mais au moins, vous l'aurez, vous dépenserez pas un platine ou quoi que ce soit. Donc voilà, donc ça c'était pour ces petites choses, le concours, et où trouver cette petite arme aussi, et combien de temps elle va durer pour le craft. Ensuite, écoutez, c'est simple, hein, on va aller voir le petit build, donc moi je vous dis à tout de suite. Et donc du coup on se retrouve sur les builds, et oui, parce que je vous présentais les deux builds, hein, pour l'arme lourde et pour la splitter, donc avoir deux petites dagues. Et tout se joue sur la stance, et oui, donc ça c'est la petite particularité de cette arme. Donc vous voyez que si on va sur les stances, et bah écoutez, on a 5 stances différentes, et oui. Donc moi personnellement, pour l'arme lourde, j'ai mis Tempo Royal. Vous pouvez mettre également en taille tornade, il n'y a pas de problème, vous faites comme vous le sentez. Simplement, voilà, moi j'aime bien Tempo Royal, c'est pour ça que je l'ai mis. Ensuite, donc vous aurez besoin que d'un format pour les deux builds, donc ça c'est pas coûteux en format. Merde, oula, j'ai failli casser tout. Donc ça c'est plutôt pas mal, puisque bah, du coup ça vous coûte pas beaucoup, coûte pas cher en format, contrairement à certains builds. Et puis, vous allez voir que c'est des builds plutôt pas mal. Donc, en stance, Tempo Royal. Ensuite, moi, j'ai... Donc, on est à la base avec de la radiation. On est quand même à 10% de chance de critique sur l'arme lourde. Et un pourcentage de statut avec la radiation qui ne baisse pas. Vous verrez que quand on va splitter, ça va baisser. Donc là, du coup, comme je vous disais, j'ai mis, bon, évidemment, le point de pression. J'ai rajouté le fracas d'organe pour augmenter les dégâts critiques, parce que du coup je vais jouer avec mon décompte des morts et mon coup de sang, donc là tous les deux, voilà. Ensuite j'ai mis mon coup voltaïque et fléau virulent pour effectuer du corrosif. Donc ça, et puis effectivement le frappe de fief pour augmenter notre corrosif, du coup on le monte à 369. On reste sur une radiation à 176, sur un statut qui est à 44%. Et du coup, on va augmenter nos chances critiques et nos dégâts critiques via fracas d'organes et coup de sang. Voilà, et ça c'est, du coup, ça c'est franchement, comme on peut le voir d'ailleurs sur la vidéo, c'est franchement top, c'est franchement pas mal, moi j'adore, j'ai apprécié. Et puis le petit berserk en plus, voilà. Donc ça c'était pour mon build d'armes lourdes. Ensuite, pour Mr. Noom, quoi, Mr. Number... Tu veux faire un raid avec nous, Mister Number 6, Aeric54. Je suis désolé les gars, pour le moment je peux pas trop vous répondre. Merde, alors du coup je fais que des conneries. Oh, reviens ici. Voilà, non mais... Voilà, on revient sur ce build, non mais bordel. Donc, ça c'était mon petit build pour l'arme lourde, comme je vous disais. On va passer sur les deux petites dagues, hein. On va splitter un peu tout ça et vous allez voir que les dégâts sont quand même... plus important au niveau des attaques de saut, etc. Et puis, du coup, notre corrosif, moi je suis resté aussi sur le corrosif. Donc et bien, écoutez, comme je vous disais tout à l'heure, on va rester sur un format. Donc comme je vous disais, donc on reste sur un format. Du coup, moi j'ai mis tigre tourbillonnant. Vous pouvez également aussi changer, puisque là vous avez serpent croisé, etc.
Bon, j'ai mis Tigre Tourbillon, hein, voilà, tout simplement, parce que sinon il faudrait rechanger. Enfin bref, j'étais un peu flemmard. Mais je vous encourage à le faire si vous êtes motivé, sans problème. Donc, bah écoutez, il y a des petites choses quand même qui changent. Donc là, moi j'ai mis toujours mon point de pression. J'ai mis une furie, j'ai mis touché choquant avec frappe de fièvre, fléau virulent et coup voltaïque. Du coup, on est toujours sur de la radiation à 143, on est sur du corrosif à 429. J'ai toujours laissé mon décompte des morts pour augmenter mon combo de 12 secondes. Mais du coup, j'ai changé et j'ai mis mon blessure sointante qui m'augmente de 45% de chance de statut. Du coup, qui se superpose sur le multiplicateur de combo. Et ça, c'est pas rien non plus. Bon, c'est sûr que c'est pas 165% comme on peut avoir sur les critiques. Mais là, comme vous voyez, vu qu'on les split, notre critique baisse à 5%. Donc là, c'est vraiment plus du tout intéressant. On est aussi sur un statut qui a baissé. Du coup, on descend à 33%. Et la radiation, malheureusement, qui a baissé aussi à 143. Donc, par contre, on a une vitesse d'attaque qui est beaucoup plus haute, à 1,30, et comme vous le voyez, c'est rapide. Donc voilà, donc ça c'était mes deux petits builds, vous n'êtes pas obligé de faire les mêmes, moi je vous dis, voilà, ce sont les miens, après, vous pouvez en faire d'autres, etc., qui peuvent être top, j'en sais rien. Mais voilà, c'était pour vous montrer un petit peu ce qu'on pouvait faire sur cette arme, qui est franchement assez marrante, assez sympa, et puis ça change de d'habitude, du coup, tout dépend de la stance de ce qu'on veut. Donc voilà, et bien écoutez, moi je vous dis à bientôt, j'espère que ça vous plaira. C'était Kasselix, ciao ciao, et bonne chance une fois de plus pour le concours. Ciao.